quand on appuie sur la touche, sur le lien, et qu'on voit son nom, c'est une journée spéciale. Je m'appelle Véronique, j'ai 54 ans, et je viens de Vigneux-sur-Seine, dans l'Essonne. Je passe cette année le CRPE en troisième concours, avec bien sûr la formation d'objectif CRPE. Moi j'ai toujours voulu être, avant on appelait ça institutrice, maintenant c'est professeur des écoles. C'est un de mes plus grands rêves. Moi, j'étais en reconversion professionnelle, j'avais prévu de passer mon concours, donc il fallait absolument trouver une solution. J'ai choisi objectif CRPE et j'ai été beaucoup aidée par les premiers contacts que j'ai eus par téléphone avec cette formation. Bien sûr, j'ai rattrapé des vidéos beaucoup en replay et j'en ai vu quand même quelques-unes en direct. Et vraiment, voir une vidéo en direct, mais c'est plus que top, quoi. On a le prof en face et on communique avec les autres. Moi, j'ai trouvé ça génial. Alors, tout le monde le dit, hein, c'est un marathon. Franchement, c'est vrai. C'est un marathon, ce concours. Plus on approche vers les résultats et plus on se pose toutes ces questions de l'après. Bon, l'après, si on ne l'a pas, soit on recommence, soit on fait autre chose. Mais si on l'a, comment ça se passe après?